Deux secondes. Il est où là, monsieur Robert? Bonjour, monsieur. Vous souhaitez rencontrer monsieur Robert? Oui, j'aimerais bien le voir. J'ai deux mots à lui dire. Monsieur Robert n'est pas disponible pour l'instant. Puis-je vous renseigner? Non, c'est lui que je vois. Ah bah tiens, je le vois. J'en ai pour 2 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Robert ne vous répondra pas si vous forcez sa porte. Si vous voulez trouver une solution, je peux regarder sur votre compte. Bon, écoutez, il y a votre machine là qui a avalé ma carte. Mon compte est bloqué parce que je suis en négatif alors que j'ai déposé un gros chèque il y a 4 jours. Et je dois prendre un train dans 1 heure parce que je pars pour la semaine. Il me faut 500 euros tout de suite. Vous pouvez patienter un instant, s'il vous plaît? Merci. Je m'occupe de vous. Suivez-moi. Tu peux nous laisser un instant, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Alors, connaissez-vous votre numéro de client? Ah non, je me balade pas avec. Puis en plus, il était sur la carte que votre machine m'a avalée. Et vous êtes monsieur? Tornet. Jack Tornet. Alors, en effet, vous avez déposé un chèque qui couvre largement votre crédit. Mais comme il est tiré d'une banque étrangère, le délai de crédit est plus important. Mais je n'ai rien à faire de vos délais. J'ai mis de l'argent, je veux le récupérer. Alors voilà ce que nous pouvons faire, monsieur Tornet. Je vais augmenter votre autorisation de découvert de 500 euros sur votre carte bleue, comme vous le souhaitiez, et nous allons la récupérer dans l'automate, ce qui vous permettra de partir immédiatement. Et je pourrais tirer de l'argent tout de suite? Il faudra patienter 2 heures, le temps que le système intègre votre nouveau découvert. Avez-vous votre billet train? Oui, non, bon, ça, je peux attendre 2 heures. Bon, on va récupérer ma carte?